Ouais, hey, Ouais. j'ai eu écho de tes gars là. Ouais. Fais attention à toi, Vertugo. Pourquoi? Bah j'ai peur que ça te saute. Je sais pas si blaguer et tout, mais ça veut te pull up, je crois. Qui veut me pull up? Je connais pas les Blaze, je connais pas, mais c'est trois gars de chez toi, je crois. Ouais. Ils veulent peut-être, je sais pas, ils te veulent pas du bien forcément. T'as entendu ça quand? Là, il y a 10-15 minutes. Les mecs, ils étaient où? Ceux qui sont barrés. Tu peux me dire leur dégaine ou pas? Putain, je me rappelle plus. Je crois qu'il y en a, il a un bob. Ouais. Attends, putain, le reste. Oh putain, j'ai une vieille mémoire, sa mère. Il y en a, il a un bob. Putain, je me rappelle plus du reste. Je crois qu'il y en a, Ils il a veulent des me dreads. buter. Mais je suis pas sûr, peut-être qu'il blaguait, mais moi je parlais avec eux pour te voir en fait. Et c'est là, ils montent ça. Et justement, je voulais pas dire ça là-bas parce qu'on sait jamais. Je connais pas votre balio si c'est sur écoute et tout. Et voilà, Non, il n'y a pas d'écoute. je voulais pas qu'ils entendent ça en fait. Et voilà. Tu dis quoi, toi? T'étais où, toi? T'avais disparu carrément. Ouais, j'ai disparu et tout. Mais Ouais, là. les gars, c'est bon, vous inquiétez pas, je suis à côté du barrio. Vous rendez pas fou. Mais là, je suis là pour faire des petites missions et tout. Si t'as des missions à me passer et tout, y a pas de C'est soucis. pour ça, écoute, tu ton envoie-moi un message. Si j'ai un truc à faire pour toi ce soir, je t'envoie Bah, direct une vas-y. pause et je t'explique. Dis-moi Ok? si tu reçois. T'as reçu là? Non, j'ai rien reçu là. Attends, merde. Neuf 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 huit sept vingt-quatre. Attends. T'es sûr que c'est ça le num? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bouge plus, je te prends tout. Je te prends tout, poteau. Je te prends tout, je te prends ta S'il te radio. plaît. Je te Mais prends tout. arrête! Tu vas jouer à ça avec moi, j'avais mon arme Mais sortie. t'étais sur ton téléphone, comment t'as fait? Bon, d'accord, allez, d'accord. Ok, je te prends tout, ta radio, téléphone, je te prends tout, t'as plus rien sur toi. Et tu vas me suivre, poteau. Tu vas me suivre, toi et moi, faut qu'on s'explique. Au moindre truc, je tire ma bastos. Ok. Avance tout doucement. Avance, avance, avance. Personne va venir te chercher ici. Arrête-toi. Arrête-toi, voilà. Écoute, j'ai reçu une lettre de la part de Shrud avant qu'il décède et il y a ton nom qui est mentionné dedans. Ouais. Explique-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. Tout est dans la lettre, je vais péter un plomb là. Je vais te lire le contenu de la lettre. Ok. Je vais péter un plomb. J'ai besoin de Vas-y. réponse, j'ai besoin de réponse. Vas-y, mais pose-moi les questions, tu verras que je vais jamais te mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que tu l'as trahi. Écoute, je vais lire la lettre, ok? Je vais lire la lettre. Regarde, je vais te la donner sans rien, sans rien. Je te confisque tout. Il se passe rien. Je te passe juste la lettre et tu vas la lire toi-même, ok? Vas-y. Vas-y, je te la donne, attends. Tiens, tu vas la lire devant tout le monde. Comme ça, on va pas me traiter de fou. Tu vois ce qui est dit dedans. Je vais rien mitonner. Vas-y, lis la haute voix, lis la haute voix. Boule Baba, si tu reçois cette lettre, c'est pour te dire que je suis déjà parti. J'ai fait mon temps. De toute façon, mon corps était moisi. L'infirmière que j'ai baisée m'a dit que j'allais y passer dans pas longtemps. Tu as un très beau comportement de calvitie et malgré que tu sois esgueg, on aura vécu des aventures incroyables. Malheureusement, certaines personnes qui ont participé à nos aventures, comme Vertigo, vont participer à ma mort. C'était un bon ami, je l'ai beaucoup aidé. Et juste une erreur, je n'ai plus de followers. Il faut manger où il y a à manger. Hein, je comprends. Bon courage, mon ami Berlusconi. Je t'attends là-haut, mon frère. La calvitie n'est jamais finie. Si tu es en situation de danger, mais vraiment extrême urgence, appelle le 55 Ok, non, c'est bon, dis pas de numéro, au 5 55 38 26. calme, au calme. Écoute, explique-moi, comment ça, Vertugo, il parle de trahison, c'était mon ami, il m'a Attends, baisé. attends, attends, ta lettre, j'arrive pas le. Attends, attends, s'il te plaît. Tu m'entends là? Tu m'entends ici vite fait? Tu m'entends ici? Tu m'entends ou pas? 2 secondes. Je vais Moi? dormir, je reviens. Ouais, attends-moi 2 secondes, je vais dormir, je reviens. J'ai ta lettre bloquée dans mes mains. Hey, tu Là, tu te reviens, hein? vois. T'es sérieux là? De quoi? Tu crois que je vais pas revenir? Bah vas-y, je t'attends, vas-y.
C'est quoi, vas-y, vas-y, viens, reste comme ça, c'est pas grave. Je vois rien par contre, hein. Je te vois pas. Tu vois rien? Bah si, bah vas-y, tu sais quoi, fais une sieste, reviens. Mais là, il est parti là? Il est Ah, pas... c'est bon. C'est bon, Tu tu me m'entends? vois? Ouais, c'est bon. Maintenant, tu vas m'expliquer Ok, pourquoi... je vais tout Hey, expliquer, laisse-moi. j'ai des infos en plus. Si tu me prends pour un trou de balle, si tu me prends pour un petit fils de pute, ça va m'énerver encore plus. Donc dis-moi tout, dis-moi comment tu l'as niqué, dis-moi ce qui s'est passé, je veux des blagues, Déjà, je veux je l'ai que tu m'expliques. paniqué. Déjà, je l'ai paniqué. Ce qui s'est passé, c'est que Sred nous a balancé dans un magasin de. Dans un labo de meth, ok? Ouais. Tu me suis ou pas? Ouais. On a tous failli rentrer en prison. Il y avait des gens qui ne voulaient pas déranger, des grosses têtes dont même moi je ne les connais pas. Ils ont retrouvé Sred, ils l'ont buté. Voilà ce qui s'est passé. Sur la Santa Maria, sur le. Je perds mon barrio, que Dieu me foudroie maintenant si c'est moi qui l'ai tué. C'est bon? Pourquoi ton nom est mentionné dans la lettre? Pourquoi il dit que tu l'as trahi? Pourquoi il dit Mais que tu... qu'est-ce que j'en sais? Mais hey, Je sais pas pourquoi. Sreuze, c'était un SDF, mais il était pas fou. Il avait toute sa Ok, tête. Il faisait je ça sais. carré. Écoute-moi, J'ai des infos écoute-moi, en plus. écoute-moi. Là, t'es en train de me Si prendre pour un j'aurais. con. D'accord, et eh ben si tu crois que je suis en train de te prendre pour un con, ben je sais pas. Mais écoute, si j'aurais ne serait-ce qu'un doute. T'as vu, au début, tu venais avec lui. Tu crois que je suis venu avec toi? Si je l'aurais buté. Vas-y, réfléchis 2 secondes. Donc, je serais venu avec toi ici. Vas-y, je veux juste que tu réfléchis. Si moi je l'aurais buté, je serais venu ici avec toi tout seul. Quand j'ai fait mon call à la radio, j'aurais pas dit ouais, je suis à l'usine de torture. Écoute, moi je veux des réponses. Ben je t'ai dit là. Je t'ai braqué, Mais je t'ai. tu pouvais pas dire à la radio je suis ici ou je suis pas là, je t'ai Mais avant braqué. ça, j'ai fait un call radio, Ouais, parce que mon frère. tu t'attendais pas à ce que je te braque. Et Bah écoute, tu t'attendais pas à écoute, cette... sur ce Moi je veux truc, des réponses, t'es en train de me prendre pour un con. sur. Mais je suis pas en train de te parler pour un con, qu'est-ce que tu racontes? Donc là, tu vas Écoute. me buter sur un prénom qui t'a dit. Il t'a dit que c'est moi qui l'ai buté. Eh ben moi, je te jure, sur la Santa J'ai Maria, je l'ai pas buté. des infos en Écoute, et plus. j'étais le seul. Écoute-moi. Je veux que tu m'écoutes. Et j'étais le seul qui voulait pas le buter. C'est bon? Maintenant, si tu veux me buter, bute-moi. Mais tu auras buté personne d'autre. J'ai des C'est ça le infos en problème, c'est que je plus. te dis que moi, j'ai. Écoute, ça aurait pu se passer autrement, mais vu que là t'es en train de me mentir, que tu veux t'enfoncer dans ton Mais mensonge, non, mais non, ça me mais girafe je encore veux pas plus. m'enfoncer, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ah, il me prend pour un con. Il me prend pour un con. Mais je te prends. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je te prends pour un. Pourquoi Sreud a dit ça? Sois honnête, sois franc. Dis la vérité au Oh, lieu de tourner autour du pot mais et me je prendre pour un con. mais t'es. Mais je viens de t'expliquer ce qui s'est passé. Mais je viens de tout t'expliquer, toute l'histoire là. Il y Tu veux avait que qui? Il y je avait vais qui à ce t'inventer des rendez-vous? Il y trucs? avait qui à ce rendez-vous à ce labo de maths? Dis-moi. Moi, il y avait un groupe de jeunes qui étaient tous masqués avec le truc du labo. Et il y avait un mec masqué, il avait un crâne sur la tête. Et c'est lui qui le recherchait. Même moi, je le connais pas, cette personne. Ok, et comment ça s'est passé pour la mort de Sreud? Il est venu au barrio. Ok? Quand il est venu au barrio, il y a des gens, ils sont venus, ils l'ont pris. Moi, j'ai tout fait pour qu'il meure pas. Sur la Santa Maria, je voulais pas tuer. Je voulais pas le tuer. La Santa Maria m'en soit témoin. J'étais l'un des seuls qui voulait qu'il reste Hey, tu m'entends là? en vie. Ouais, je t'entends. Ok, attends. Attends, j'ai réfléchi. Comment sa mort s'est faite? Tout simplement, comment sa mort s'est faite? Ben, comment ça mort s'est fait? J'ai pas compris, mon frère. Ah, j'ai pas compris ta question. Qui lui a tiré une balle? Comment ça s'est procédé? Le mec au masque. Le mec au masque. C'est bon? Voilà, la vie de ma mère, c'est tout ce que je peux te dire. Il s'est levé, il lui a tiré une C'est un bastos. mec avec un masque de crâne. Ouais, c'est lui. C'est un mec au masque de crâne. Voilà tout ce que je peux te dire. Hey, Vertugo, je vais te dire. Et je peux te dire un Je vais te truc. dire, Et je peux te dire un tu truc. comptais Il y a un gros énormément. groupe. Tu comptais énormément pour Mais moi, là, pour tu vas me lui. buter pour un truc où je te dis la vérité en fait. Non, je sais que tu Mais mens. moi aussi, je comptais pour lui. Mais sur la Santa Maria, je Mais mens frérot, pas. De quoi je pourquoi mens? tu l'as baisé? C'était quoi ton intérêt à le baiser Mais dans ce business? je l'ai jamais baisé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que Vertugo, tu racontes? tu comptais énormément pour moi, pour lui. Il est mort par ta faute. J'ai perdu un grand collègue. Aujourd'hui, mon seul sahab, mon seul ami, mon meilleur ami que j'avais en ville. J'ai tout fait avec lui. J'ai tout découvert avec lui.
Il est mort par ta faute. Je te dis qu'il est pas mort de ma. Allez. Ok. Tout s'est passé comme prévu. Je vais tailler à pied. Oh non, je suis pas nagé. Merde. Comment je nage déjà? Allez, va à la surface. Non. Les refs, comment je nage? Eh, ça marche pas. Ouf. Ok, let's go. Ok. Ok, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus là maintenant. Depuis tout à l'heure, je joue bizarrement comme si j'étais à nouveau en ville. Parce que... la voiture. Ah putain, on nique sa mère, c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, je joue comme si j'étais nouveau en ville. Parce que je voulais pas me faire reconnaître. Parce que n'oubliez pas que je suis toujours recherché par l'État, etc. Vu que ça fait un moment que j'ai pas joué, je sais pas si c'est toujours dans leur plan de me rechercher. Mais je voulais la jouer fine, la jouer discrètement, tranquillement. Attends, je vais ranger mon couteau. Et voilà, c'est pour ça que j'étais en mode je m'appelle Arthur, je suis nouveau en fait, je suis toujours Boulbaba Berlouni. Voilà, je suis recherché par l'État, mon histoire elle est pas effacée, tout ce que j'ai fait avant me colle à la peau. Je suis recherché. Il y avait un numéro dans ta lettre. Ah, c'est vrai, putain. Mais il l'a dit à haute voix. Il l'a dit à haute voix, juste j'ai oublié. Si quelqu'un récupère la lettre, je retourne pas là-bas. Au calme. Il y en a peut-être 3, 8, 2, 6. J'ai oublié, il l'a dit à haute voix. Les gars, je lui ai laissé le choix et l'opportunité de me dire la vérité. Il a pas voulu me la dire. En fait, c'est pour ça qu'au début de live, je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez vu la mort de Freud? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et pour ceux qui l'ont vu, ils savent que j'ai bien fait. Enfin, ceux qui l'ont pas vu, ils vont dire non, mais pourquoi tu le tues? C'est n'importe quoi, nanani, nanana. Les gars, la mort RP, elle est légitime. Voilà. Attends, c'est quoi le numéro? Non, les gars, la mort RP, elle est légitime et j'en parlerai un peu plus là. J'attends juste de me planquer là parce que je suis encore un peu en mode. Je psychote un peu là d'être à pied et tout, ça me fait chier. J'aurais aimé garder la voiture, mais au calme. Je vais venir la chercher la voiture de toute façon. Je vais venir la chercher au calme. Je vais juste me prendre une autre voiture, faire le tour, aller là-bas. Je récupère la lettre. Et j'y vais. Ah, j'ai mon arme, c'est vrai. Ok, let's go. Il l'a tué du coup. Là, je lui ai mis une mort RP, les gars. Je lui ai mis une mort RP. Fini Vertugo, salam. Il n'y a plus de Vertugo là, ça y est. Mort RP. On va pas rechercher la voiture. Je sais pas parce que elle a mon nom, prénom. Bon, après, je suis déjà recherché. Est-ce que c'est une grande perte? J'ai juste envie de récupérer la lettre. Non, en vrai, nique sa mère, c'est bon. Je vais pas aller prendre la lettre. Les gars, je sais que c'est pas Vertugo qui a tué Strud. Mais au bout d'un moment, quand tu participes à la mort de quelqu'un juste pour te mettre dans la poche quelqu'un d'autre, c'est pas bon. J'ai cette information et c'est juste avec ça que ça m'a permis de le tuer. Et je vais remonter jusqu'à aux vraies personnes qui ont vraiment tué Strud. Voilà, là je suis dans un RP vengeance, tout simplement, d'où le titre. Ah merde, j'ai pas le droit de passer par là, c'est vrai. D'où le titre de reprendre, redonner à César ce qui est à César, voilà, tout simplement. Je suis dans un esprit de revanche. Je vais remonter petit à petit au groupe masqué dont il me parlait. Plus celui qui avait un crâne, un squelette sur le crâne, je sais pas quoi. Je vais remonter au calme. Et voilà, je vais embuter le plus possible, tout simplement. Tous ceux qui étaient dans ce coup avec Srud et qui l'ont pas protégé ou qui ont contribué à sa mort, ça va être des morts RP, tout simplement. Là, je suis en mode tueur. Je suis en mode shooter là. Ça y est, au bout d'un moment, mon meilleur pote, mon seul sahab que j'ai en ville meurt dans un truc comme ça. Je dois être là, ah bah bien vu, il est mort, t'étais là sur place, t'es toujours en vie. Vas-y, il me prend pour un con là-dessus. Je sais que c'est pas lui qui l'a tué, je le sais. Mais sa mort RP, je l'ai pas mis à cause de ça depuis. Je le sais très bien qu'il l'a pas tué. Mais il a participé à sa mort, fin de l'histoire. Tous ceux qui étaient présents à ce truc, ils vont tous se manger une mort RP. Vamos, vengeur. Fort, fort.
calme-toi, Harry, c'est le ramadan. Non, 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 je suis calme. Mais là, vraiment, là, c'est. J'ai essayé de faire la coupe des reines, c'est pas pour rien, là. Là, on est en mode. On est en mode génocide. Ah, ça fout là, faut pas que j'ai ça. Ok. Je vais aller dans ce parking. En vrai, j'ai envie de retourner à la planque. Je vais aller récupérer les bombes et la K-47 à la planque. Elle est où déjà? C'est à l'unicorne. Ok, parfait. J'y vais. Attendez, je lis. Non, ça y est. Ceux qui me disent Ama aurait aimé une meilleure scène de mon RP. Les gars, c'est quoi une meilleure scène? C'est sur un autre quiproquo, un autre malentendu où il dit ah d'accord, bah vas-y, tu me tues sur ça, tu me tues sur ça. Pour moi, si cette raison, elle m'est suffisante pour mettre une mort RP, je la mets, fin, basta. C'est bon, Amine, il s'est fait baiser combien de fois dans le jeu à essayer de jouer RP et tout. Les gens, ils font des raccourcis RP. En fait, ça y est, il faut qu'on parle de tout ça. Il y a trop de gens qui font des raccourcis RP, trop de gens qui font des choix illogiques par rapport à leur perso, où ils trahissent sans aucune raison, juste pour pouvoir se rapprocher d'autres persos. Alors que c'est pas logique, c'est comme si Struds, en me connectant du jour au lendemain, je lui mettais une balle dans le crâne. Faut rester un peu cohérent avec son perso et tout, et arrêter d'aller de gauche à droite comme ça, tu vois. Et en disant ça, je parle de personne, hein. Mais c'est des exemples que je vous dis, par rapport aux raccourcis RP que certains peuvent prendre, etc. Amine, il en a bavé, hein. Vous avez vu de toute façon sur ses streams où des fois les gens ils se mettaient sur ses côtes et tout en faisant voilà les raccourcis. Amine il disait rien. Là il se fait canner, ça y est. Moi je viens récupérer le duc. Amine a pas su récupérer seul parce que Amine il est trop gentil avec les gens. Et voilà, je vais faire le ménage à sa place. Je vais faire ce que lui il osait pas faire parce que voilà, il aime pas se prendre la tête et tout. Voilà, c'est bon. Amine, il a jamais rien dit. Frère, Amine, il a jamais rien dit. Tous les raccourcis qu'il s'est mangé dans la gueule, sa mort RP, ces trucs. Des gens, frère, des gens qui votent pour qu'il canne lui alors que c'est censé être des alliés et tout. Voilà, ça y est, c'est bon. Faut arrêter les conneries de minutes là. Je vais prendre tout ce que Amine m'a laissé dans le coffre. Par contre, le numéro, bon, je l'appellerai à mon prochain stream de GTA, le numéro. Je vais pas l'appeler tout de suite. Prendre le stock. Une carte SIM. Ah, je sais pas c'est à qui c'est SIM. Vas-y, Okam. Je vais prendre les 6 bombes. Hop. Ok. J'ai 6 bombes. Je vais prendre l'AK-47. Ça. Hop. Pool Baba égale Punisher. Fort. Et les gars, si Ama. Si. Prends un sac. Prends pas tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai trop pris là. Je vais poser l'AK. Et les gars, si Ama il voulait juste une meilleure mort RP, c'est peut-être une façon de dire que fallait que tu me coinces sur autre chose. Et je peux pas le coincer sur autre chose. C'était sur ça ou rien. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à lui reprocher en fait. Il peut pas y avoir de meilleure mort RP. J'ai rien d'autre à lui reprocher à part la mort de mon collègue dans le jeu. Donc l'argument il tient pas debout. C'est cette mort RP et pas une autre. Ah, j'arrive pas à la poser. Hein. Ok, je devrais être bon là. Merde, je l'ai posé. Non, elle est là. Ok. Hein. Envoyé. Ok. Ok, j'ai les bombes, j'ai ça. Ok, c'est bon, c'est carré. J'espère que tu te fais contrôler avec l'AK. Non, c'est calme, attends. En vrai, j'ai envie de retourner sur le lieu. Personne sait qu'il est là-bas. Personne sait qu'il est là-bas. J'ai envie de récupérer son corps. Je vais poser les bombes finalement. Ok, c'est bon, carré. Je vais retourner là-bas. Ok. J'entends la police là par contre. Ah oui, c'est vrai, c'est là-bas pour se dire. Ok, c'est carré. Ok. Je ferme ça. Loli te cherche. Ok. Ok. Attends. Attends de suite. Billy Bogos. Wesh, comment tu fais pour me parler? Tu peux le faire, frérot.
Ah ouais, c'est vrai, je suis sur le Discord du jeu, c'est vrai, j'avais oublié. Ça va ou quoi les refs? Attends, mute Billy, vite fait en deux secondes. Ça attends, va, tranquille toi. Attends, je me mets sur Discord. Putain, comment je fais pour mute le son? Attends. Ah, ouais, ça devrait être bon là, normalement. Normalement, je suis mute là. C'est un micro, un Beyer Dynamics. Il est claqué? Ah, attends, merde. Attendez. Voix vidéo, périphérique d'entrée. Là, vous m'entendez, c'est bon? Ok, carré. Ah, merde. Aïe, attends. Ah, je sais pas comment couper en live. Coupe micro sur OBS. C'est ce que je fais. En fait, le desktop audio, je le coupe. C'est pour ça que... Non, c'est pas le desktop audio, c'est l'autre, c'est ton micro, en fait, qu'il faut que tu coupes. Non, mais, ah, mais ils vont, deux, là, ils vont vous entendre, vous, ouais, non ouais. Ah. Bah, non. Oh, la famille, vous m'entendez? Vous m'entendez, les refs? Je suis désolé, l'appel il était long, on a débattu, c'est parti en débat, c'est parti en truc. Mais on va reprendre le jeu. On va reprendre le jeu, la famille. Je vous spoil pas ce qu'on s'est dit dans l'appel, vous verrez ce soir là. Eh, le live il dure jusqu'à minimum 1 heure. Ça veut dire que je peux couper à 1h30, 2h, jusqu'à minimum 1 heure, ok? Alors, verdict, vous verrez une game, Là, je relance le jeu, les refs, je relance. Attendez, je me mets le chat sur mon tel, vu que j'ai qu'un seul écran. Ah, je suis mort. Il va couper à minuit. Non, justement, je peux pas couper à minuit. Attendez jusqu'à 1h du mat minimum. Il se passera un truc, ok? Vous verrez. La scène, elle est pas finie, vous verrez. The Beast, c'est quoi cette coupe? C'est la coupe à Yasuo dans League of Legends. Yasuo, c'est moi. Je suis mort. Je suis pas Yasuo, je suis sauce mayo. Je suis plutôt sauce mayo en fait. Ok, ça me va ce qu'on s'est dit. Okay. Vous verrez, bah j'espère que ça va pas se faire vers 1h. Putain, ils m'entendent plus sur Discord. Mais si ça pouvait se faire avant, ça m'arrangerait parce que peut-être 1 heure, il y en a. Pardon, il y en a peut-être, vous devez aller dormir, j'en sais rien, mais bref. Vers 1h dinguerie. 1h du sbar dinguerie normalement. C'est l'heure qu'on s'est convenu et tout, vous verrez ce qui se passera. Vous pouvez deviner ce qui se. Il y a plus court. Ah ouais, c'est vrai. Vous pouvez normalement deviner le pourquoi du comment, mais. Certains ont dit dans le chat de toute façon, mais vous verrez à 1h. Allez, tu peux descendre s'il te plaît? Putain, j'ai pas envie de te tirer dessus, moi. Oh, c'est qui? Yo. Ouais, mon ref, ça va ou quoi? Mec, il fait quoi? Ça dit quoi, le sang? Tu vas Yo, où? Mec, il fait quoi? Tu peux monter avec Watt? Ouais, mais tu... Ouais, carrément, ouais. Mais tu veux quoi? Tu vas où, mon ref? Moi? Ouais, tu tournes en... Moi, j'allais au bowling, là, pourquoi? Oh, vas-y, viens, on va au bowling. Mais tu vas avec des sahab à toi, là-bas? Ouais. Le bowling, c'est... Mais sahab. Putain, je l'ai mal dit. Des sahab, pardon, j'ai dit trop agressivement. Bah écoute, c'est lourd, hein. Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Tiki. Kiki? Tiki. Ah bah c'est mignon, c'est mignon. En fait. Adonis, si tu préfères. Adonis, tu fais quoi dans la vie? Moi, bah, je suis le patron du Groove Street Barbershop. Ah, c'est toi? Oh, tu peux me faire une petite coupe? Ouais, carrément. Oh lourd, tu peux me faire ça dans la rue? Non, je peux te raser dans la rue. Vas-y, je suis chaud, tu vas me raser la tête après. On va voir les contours gris de ma calvitie. On va passer au barbeur, c'est mieux. Ouais, t'as raison. Bah vas-y, on ira chez le barbeur après le bowling là. Mais personne. Ah, ouais, t'es allé au bowling tout seul? De quoi? Non, bah, apparemment je devais récupérer quelqu'un. Tu devais récupérer quelqu'un? T'es toujours... Tout seul ou pas? Moi? T'as besoin qu'il se récupère? Non, je parle à la radio. Ah, pardon.
Du coup, il est mort, Vertugo. Vous verrez, les gars, vous verrez à 1h du mat. Il est venu quoi, le casino Billy? C'est vrai, on m'a dit, il s'est fait racheter et tout par le gouvernement. Mais je peux pas aller au gouvernement, je suis recherché. Juste là, je vais... Putain, le jeu, il bug beaucoup. Juste là, je vais essayer de... Eh, frérot... Le jeu, il bug. Frérot... Est-ce que toi aussi, t'as des ralentissements un peu? Des ralentissements? Ouais, carrément. Mais c'est normal, c'est parce qu'on s'approche du mosselet. Quoi? Là, le mosselet, là. Le mosselet? Ouais, cette entreprise-là, là. Je connais pas, moi. Le mosselet? Le mosselet, là. Ah ouais. Et bah, du coup, ils font des feux rouges bien avant. Ah, et c'est les feux rouges qui nous ralentissent comme ça? Ouais, ça fait mal à la tête, hein, les feux rouges. Ah ouais, d'accord, ok. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Arthur. Tu t'appelles Arthur Casanova. Ça veut dire quoi, Casanova? Peut-être j'ai une dinguerie, là. Casanova? Ouais, ça veut rien dire, ça. Ça veut dire ta grosse mère, la poutre. Et ben voilà, je m'appelle Arthur Casanova. Ok. Vas-y, je t'en prie, installe-toi, poutre. Merci, mon ref. À droite. Ah. Oh, n'importe où, hein. Tu peux t'asseoir. Bon, pas là. Non, bah ça va, en vrai. Attends, voilà, ici. Mais y a quelqu'un qui parle, c'est qui? Y a personne qui parle. Merde, j'arrive pas à m'asseoir. Oh, les employés du Baba Motors, parlez moins fort. C'est parce qu'il y a un garage derrière. Ah oui, d'accord, ok. Autant pour moi. Bah écoutez, monsieur, je veux bien une petite boule à Z. Et je prends une grosse beuh Barça. Eh ben, on va prendre place devant le miroir, alors. Ah bah oui, d'accord. Totalement. Vous pensez que ça peut bien m'aller? Ouais, je peux... Une boule à Z sur à 100%? Ouais, fort. Est-ce que je vous rends beau gosse? Bah vas-y, tu sais quoi, je te laisse faire. Rends-moi beau gosse, je te laisse faire. Mais juste, j'ai vraiment... Un beau gosse qui va grimia ou un beau gosse juste comme ça? Qui va grimia, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça... Mais je veux vraiment changer de look, c'est juste ça, vraiment changer de look. Limite, quand on me croise dans la rue, on me dit waouh, je t'avais pas reconnu. Ok. Vas-y, c'est toi l'artiste, je te laisse faire. Tu peux t'asseoir? Je vais essayer. Ah, j'arrive. Tu mets le grand 3 si possible. Le grand 3, mec. Ouais, oublie, mets-toi juste sur la barre, vas-y, oublie. Alors. Bon, déjà, tes sourcils, ça va pas, beau gosse. Ouais, je sais. Ah, merde. Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de m'asseoir. C'est les genoux, pas les mains. Qu'il faut. Tu fais 32, beau gosse, tu sais, beau gosse. Aïe. On va même pas te reconnaître, beau gosse. Lui c'est tir, ah bien vu. C'est ça. Voilà mon ref. M'assois bien comme il faut, t'as capté. Putain, j'ai maigri un peu là. Ah, je te dis qu'on va pas te reconnaître. Ouais, tu veux pouvoir porter... En fait, tu comptes mettre des casquettes ou pas? Des trucs comme ça? Non, pas forcément. Les cheveux toujours à l'air libre? Ouais, je pense ça. Ok. Bah, tu me dis, hein. Non, bah, je te laisse faire, hein. Attends, remets les coupes en arrière. Oh, la calvitie de fou. Ah, mais c'est ma coupe actuelle. Je suis mort. Quoi? J'ai la même coupe. Oh, la calvitie, putain. Bon, c'est... Comment ça, t'as la même coupe? Non, pardon. Vas-y, avance, t'inquiète. Je te laisse faire. J'étais en train de dire, oh, la calvitie. J'ai réalisé que j'avais la même coupe. Je me suis dit, merde. T'es sûr que ta coupe, c'est pas plutôt ça? La coupe que tu veux me faire? Non, ta coupe. Ah, non, plus maintenant. Là, ça y est, j'ai une queue de cheval, un peu, une petite queue. Ah, t'as une petite queue? Ouais. De cheval, ouais, hein. Bah, de cheval ou pas, c'est pas moi qui décide de si c'est une queue de cheval ou pas, hein. Ouais, écoute, t'as raison. Ça dépend de la taille. Ah, la calvitie. Oh, c'est la coupe de Yas. Attends, tu peux remettre?
Oh la calvitie de fou, je suis mort. Mais il y avait pas ces coupes avant. Bah non. Oh, elle est dard cette coupe. Ah, je veux cette coupe, elle est trop bien. T'es sûr? Ouais, je veux cette calvitie, elle est vraiment trop bien. Là déjà, on te reconnaît pas. Hein. Ah, c'était bon avant la Turquie, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça fait une coloration ou pas? Vas-y, mon ref, je suis chaud. Hein. Quelle couleur? Comme tu veux, l'artiste. Mais tu sais, faire des teintures blondes quand t'as la calvitie, c'est un cheat code, hein, c'est un glitch. Genre, ça camoufle. De fou. Ça camoufle. C'est vraiment bien. Regarde là, on dirait même pas j'ai une calvitie. Enfin... À vue de bas. Ouais, ouais, non, vue de bas, ouais, on dirait pas que j'ai une calvitie. Bah, tu sais quoi, tu peux me faire une teinture grise comme si j'étais vieux. Grise? Ouais. Comme si t'étais vieux. T'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans, mais je fais beaucoup plus. Voilà, gris. Comme si j'étais un vieillard. Et vas-y. Barbe, je pense qu'on va faire une barbe de SDF, hein, une petite barbe de clochard, ce sera bon. C'est encore Boulbaba, les frères? Ouais, c'est Boulbaba, là, c'est Boulbaba. C'est possible de mettre, tu sais, une barbe, une grosse barbe, comme une barbe de Hajj un peu. Ah ouais, ouais, carrément. Attends, viens. Putain, c'est lourd, je savais pas. Oui. Vas-y, viens, beau gosse. Ah, vas-y, j'arrive. Attends. Voilà, j'arrive. Tu vas voir, on va te rendre beau gosse de chez beau gosse. Aïe aïe aïe. Je suis parti. Tu travailles dans quoi? J'ai vu que t'étais muté, c'est passé quoi? Moi je vais là où le vent me mène. C'est beau. Ah hein. Ouais, j'ai tout compris. T'as capté? Non, j'ai pas, je suis chômeur, j'ai pas de taf. Et je recherche un petit taf là, petit à petit. Toi tu taffes. T'es barbeur, mais sinon tu fais partie d'aucun gang. Non. Ah ouais, okay. J'étais mute parce que j'étais en discussion sur Discord avec Tommy, non, Loli, Ama. Je suis pas un gangster, moi. Zoé. Ah, bien vu. Parce que avec tes chaînes en or et tout, on dirait un gangster un peu. En plus, c'est violet comme les ballas. Ah ouais, c'est. Tu sais, c'est la gangster life, quoi. Je suis américain. Aïe, aïe, aïe. West Side. Cut à quelle heure? Je cut tard. Putain, mais fuck. Jeu... Ah, on est d'accord, t'as eu mal à la tête là? Ouais. Enfin, c'est plutôt eux qui ont eu mal à la tête. Ouais, ok, c'est bon. Je cut tard, mon ref. Je cut vers 2h certainement. Il y a la scène avec Vertugo, on va la. Vous verrez. Bah, d'ailleurs, t'as tout plein de nouveaux vêtements hein, si tu veux te saper. Ah, ouais, lourd. Vas-y, attends. Si tu veux les nouveaux vêtements et les nouvelles arrivées, c'est à la fin. À la fin des rayons. Mais si tu veux une grosse beubare. À la fin, c'est-à-dire le chiffre merde. Ouais, ouais. Attends, ah, t'es sûr, je vais laisser 15. Putain, dommage, ça va pas trop vite. Attends. Ah, si, ça bon, va, ça va, t'es déjà bien avancé quand même. Ouais, ça va. Voilà, là t'arrives à la fin là. Et dès que ça a 1, je peux reculer après. T'arriveras pas à 1 tout de suite. T'as encore de la marge. Jusqu'à combien à ton avis? Vas-y. Là voilà, tu vas arriver dans les nouveaux vêtements. C'est ça les nouveaux vêtements? Non. Encore. Oh, je suis mort, c'est la tenue terre Fire Force. Ah, peut-être tu regardes pas, pardon. C'est ça? Non, encore. Vas-y, tu vas être bientôt. Vas-y encore. Oh, elle était d'art cette chemise. Et comment tu connais tout ça? T'es. Vas-y, voilà, voilà, j'ai quasiment cette veste. Enfin, c'est un truc de ouf. Là, t'y es. Oh, le t-shirt, t'as les fashion. Je suis mort. Je suis mort, Discord. Couchant.
Attends. Denis, ah, je vais juste regarder le. Oh, la North Face. Ah, je prends la North Face, elle est énervée. La calvitie. Qui ça? Calvoche, frère. Alors. On voit les refs. Ah, je prends la North alors, Face. Alors, alors. Juste. Le Thors. Thors. C'était 383 for God's sake. Oh, vous êtes tous beaux. 383. Et shut the fuck up. Ouais, shut the fuck up, bitch. Ça, par contre, si le cas dit ça, viens dehors. Oh, viens dehors, est-ce que tu es un enfoiré de mes deux? Mais attends, c'est viens, on sort là. Il est complètement fou lui. Mais déjà, si tu veux ta barbe, c'est la chaîne 179. 179? Oh, lourd, merci. Attends, et des pantalons aussi, y'en a des nouveaux? Des pantalons méga stylés, ouais, y'en a, regarde. Genre toi? Genre moi, ouais, mon pantalon il est méga stylé aussi. Vive la police! Vive la police! Ah merde, attends, je vais aller en dessous de 1. Non, pas trop, hein. Bah, pas trop avec une double. Alors, les deux péteux là, c'est un de vous qui a parlé là, non? De quoi? Non, moi j'ai pas parlé, chef. J'ai même pas vu la calvoche. Laissez-le tranquille, for God's sake. Vous êtes toujours en train de vous moquer des coupes des uns et des autres. Non, non, donne-moi la tenue, au lieu de parler. Moi, j'ai la flemme de donner la tenue. Donne-moi. Okay. Donne-moi la tenue. Yeah, ça, c'est bien. Vas-y, je vais mettre le short Greditas, hein, avec sa mère. Ouais, tu peux mettre tout ce que tu veux. T-shirt 1,115, t-shirt de 0, torse 1,384, torse 2. Ouais, calme-toi, calme-toi. Sans quoi, le t-shirt 1 c'est, tu mets ce que tu veux. Ma gueule, torse 1. Mais je suis sûr c'est la même. Big Drip 384. Ensuite. Tu vas à la fin et voilà. Oh, deux. Hella. Putain, plus long. T'as des TN aussi si tu veux. Bra 24. Non, je préfère les Air Force. Brava. Attends, je vais la mettre en gris. Hella, ouais. De fou malade. Jambes 130. Bonne soirée. C'est normal si j'ai un col roulé par contre. Wow, ouais. Ce nombre de cols. Yo, ouais, salut les fiches de chien, ça va ou quoi? Chut, 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 ouais, chut. Vous voyez pas, on est concentré là? Je parle de 2, hein. Raconte pas ta vie. Pardon. 179. Toujours aussi charmante, Fatou, for God's sake. Avec 25. Votre poison à la place de la saline. C'est quoi le gilet pare-balles? Voilà. 77. Allô. La maison. Vous êtes poisonneuse, voilà ce que vous êtes. Écoute-moi bien, fais pas le foie avec moi, t'as compris, fils de chiette, ta mère. Hein. Non, quoi pas le tisseur, pas le tisseur. Ça 4. Parle mal par ici. Wesh, elle est complètement malade, ouais. Celle-là. Attends, on t'attrape dehors, toi. Tu vois ta grosse touffe, là. Yeah, ma mère elle est morte, alors soyez calme. Je vais te prendre par les cheveux, je vais te lancer sur le mur. 77, yeah, bah moi j'adore quand une femme me prend par les cheveux, vous voyez ce que je veux dire. On va se calmer, yo, elle est mineure déjà. Ouais, moi, j'ai 18 ans. Hein. Vas-y, viens mon ref, on peut y aller. Kiff ça, yeah. Quoi? Prenez soin de vous, les refs. Thank you, ma belle. Que Dieu vous bénisse. T'as calboche. Oh, t'as une calvitie, tu t'es mis toi juste devant moi, tu casses les couilles. Pardon. Frère, c'est quoi cette raie? Il a une calvitie, on est d'accord. Si tu me parles, t'es là, t'as une calvitie, une double calvitie. Mais frérot, moi je suis un vieux papy, je suis un hej. Oui, allez, bouge. Quand on a des coupes comme vous, on parle pas s'il vous plaît. Ah oui, séparer la mère en deux. Calmez-vous. Qu'on lâche les clames. Oh mon ref, tu m'as refait, j'ai un flow terre les fous, j'ai un big drip. Là t'es drip là. Drip, drip. Drip. Let's go. Let's go. Eh regarde, tu veux que je te montre un truc? Vas-y, vas-y. Eh hey, mais attends, y'a un mec qui s'est caché dans le coffre, non? Monte. Viens dans la sultan. Et monsieur? Ouais. Monsieur? Ouais. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va et vous? Et monsieur, vous avez trop une belle tête. Est-ce que vous interviewer vite fait, s'il vous plaît? Ouais. S'il vous plaît, on va aller dans le coin là-bas, j'ai des petites questions. Et okay, j'aime trop votre doudoune. Ouais, c'est une TNF, une North Face. Drip, c'est quoi ça, c'est quoi The North Face? Ah, t'as pas de drip, tu parles pas avec moi. Ça veut dire quoi, drip? Drip, c'est... Bref. Je comprends pas trop ce qui se passe. Emoji parapluie violet. Ça, je connais pas. Oh, c'est bon ici, à côté de la palette? Ça vous va très bien, attendez. Alors? C'est vrai que ça rayonne bien avec ma veste et mon temps. Je prends mon petit téléphone. Alors? Bonjour monsieur, comment vous appelez?
Moi, je m'appelle Arthur Casanova. Arthur Casanova. Vous faites quoi dans la vie avec votre belle barbe? Bah justement, je fais rien de spécial et c'est pour ça que ma barbe elle pousse, parce que je suis quelqu'un de négligé, comme vous pouvez le voir à ma calvitie. Ah ouais, c'est normal. Vous pouvez pas avoir un costard comme moi, Gucci, Fendi, Louis, baby. Ouais, c'est vrai, il est bien votre costard, Célio. Mais moi, je suis plus dans le drip. C'est... Ah ouais, dans le drip. C'est la drill ou c'est la drip? C'est la drill. Tout, la tout, drill. Tout, je suis attends, dans tout. Et attends. Ou allô? Ouais, Céli? Qui? Chiche! Le chefe Vagos, il est à l'hôpital. Quoi? Comment il ça? Il est entre la vie et la mort. Comment ça? Comment on parle ça? Bien de Vertigo. On parle bien de... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok, je me dépêche. Monsieur, faut que je vous laisse. J'ai un truc très important à vous faire. Votre interview, elle sortira jamais parce que vous avez une barbe marron et vous avez les cheveux blonds. Ok? Quoi? Ah, d'accord. Ouais. Okay, okay. Je suis très pressé. Désolé, monsieur. Faites un bisou à votre femme. Au revoir. Non, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai une question. Pourquoi votre collègue il a un caleçon à la place du pantalon? Je sais pas, c'est un petit fils de pute. C'est duip, ça? Oh, ouais, mon ref, ça va? Vas-y, ça dit quoi, mon ref? Ton toi. Mais c'est duip. Et pourquoi t'as du caca dans ton caleçon? J'ai pas de caca dans mon caleçon, qui se m'en passe. Son duip, il est éclaté, ça. Bon, bah merci. Merci, monsieur. Pas de problème, allez au revoir monsieur. Au revoir. Regarde, les cops ils se rendent compte que les pneus ils sont faits. Bah viens on taille avant que ça. Oh, arrache, goutte. Frérot, tu peux me poser à l'hôpital. Regarde. Du coup, le journaliste il se fait niquer. Regarde. Non, mais putain, mais faut pas qu'ils s'en prennent au journaliste. Attends, je vais aller leur dire que c'est quelqu'un de. Ok, appel à toutes les unités, on a une personne très dangereuse à l'intérieur du bingo des familles. Les gars, vous trompez. D'un couteau. Vous vous trompez, c'est pas lui qui a crevé vos pneus. C'est quoi cette tenue d'ancien du City là? Mais moi c'est du drip. Attends, qu'est-ce qu'il raconte lui? On a crevé nos pneus là? On a crevé nos pneus? C'est qui? C'est votre voiture. C'est un mec qui vient de partir en courant vers là-bas là. Tiens, lui vous me le prenez au poste lui là, on va voir. Vas-y, viens. Mais non, mais ça. Moi? Ouais. Chope-la. Chope-la. Attendez, faut que je vous garde. Oh, m'écrasez pas. Mais qu'est-ce que c'est? Dans le circuit. Elle est où, Fatou? C'est barré en sultan. Bon, allez, moi je me casse en courant. Putain, mon perso il court pas vite, j'avais oublié. C'est quoi cette voiture? T'as R2-D2? Oh, une voiture, t'as le Far West. Aïe! Je suis une courage, bon. Yes, second souffle. Non, déjà. Est-ce que je peux monter sur ça? Je suis pas sûr, non, je pense pas. Chope-le! Arrête. Mais j'ai rien fait! C'est pas ton âge, c'est pas ton âge, vieillard. J'ai rien fait, mais pourquoi vous me poursuivez? Au Aïe sol, le vieux, au sol! Mais pourquoi vous me poursuivez? Mais s'il vous plaît, mais j'ai rien fait. Bah parce que vous me courez après alors que j'ai rien fait et vous me rentrez dans la voiture. Cet imbécile. Bah non, vous avez juste vu courir, du coup on vous a coursé. Il a des choses à se reprocher ou quoi le garçon là? Non, for God's sake. J'ai essayé de vous aider tout à l'heure, quelqu'un a planté vos roues et est parti en courant. Elle nous intéresse elle par contre. Alors on s'arrête là, for God's sake, sortez de là. Mais c'était pas vous dans la voiture. Dis donc, non, apparemment elle a envie de vous récupérer, dis donc, c'est une amie à vous. Attendez. Bouge pas, hein, toi. Mais c'est pas vrai. Vite, c'est ma gueule. Reviens là. Monte. Bah, ça y est, ah, ça me casse les couilles, faut surtout pas qu'il me contrôle et qu'il m'emmène au poste, sinon c'est complicité, fini. Ah, complicité, ok. Putain. Ah, j'avais vraiment pas besoin de ça, là, ça me casse les couilles. Qu'est-ce qu'on va faire du front, monsieur? Aïe. Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis le début? Je comprends rien. Pourquoi vous mettez sur moi? Vous-même, vous savez pas pourquoi. T'as pris la chope? Ah? On l'avait laissé tout à l'heure. Tu veux qu'on chope la sultan? Mais je sais pas c'était qui à l'intérieur, j'ai pas eu le temps de voir. Oh, mais y'a Fatou! Monte! Quoi? Mais c'est qui? C'est qui eux? T'as pris un nouveau véhicule? Non. Eh, c'est qui? Non, mais on l'avait garé. Celui-là, c'est un autre qu'on avait garé. C'est qui? Il est pas bien, l'amène à l'hôpital, d'accord? C'est elle est dans la sultan, Fatou?
Vite. Voilà, ça y est. Les nuls. Putain, je comprends rien. T'as vu, les flics, ils hésitent pas, hein, ils tassent direct. Mais ça, ils m'ont tassé pour rien, j'avais rien fait. Ah oui, non, mais ils tassent direct, hein. Faut pas chercher à comprendre. Ah ouais, tu vois, lui, putain, il est connu pour faire des bavures policières. C'est pour ça que je voulais te sauver. Ah ouais, il m'a tassé, mais rentrez pas en voiture. Il est pas connu que pour faire des bavures policières, il est connu pour faire plein de trucs. Il est connu pour te tabasser ta mère mais, alors que t'as rien toi, fait. S'il te plaît, va à l'hôpital, fais un détour, sème-les, va à l'hôpital. Je te donne $5,000 si tu fais ça. Vas-y, pas de problème, regarde comment je vais les semer. Tu vois, regarde, il roule en blanc, Buffalo, il roule en Sultan. Tiens, alors, je vais passer dans un passage où moi je peux passer, mais eux non. Ah, t'as Sultan, ça se voit, elle est trop rapide. Ça va être magique. T'as dit quoi? T'as Sultan, elle est rapide. Rapide ou pas, regarde, tu vas voir, ça va être drôle. Ils sont juste derrière quand même, t'es sûr? T'inquiète, go fat foreign, je vais passer. En fait, G4. Moi je vais passer, mais eux non. Ok. Yo, nique ta mère! Go fat foreign! G4, X-Ray, Dewa, on arrive. Ok. Bande de chaîne la casse. Ouais, j'en ai. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est moi, c'est con. C'était ça ton truc? Non. Mais regarde. Je les ai enculés. De pute! Mais c'est vrai, nous. Non, mais. Ah non, ils sont là, c'est bon. Attends, mais comment ça va passer? Mais eux, ils ont la même voiture que nous, je comprends pas. Je crois qu'ils nous entendent pas. Attends, je l'appelle. T'es prêt à courir? Allô? C'est quoi, Pat? Espèce de. T'as dit les lâcher! Allô, chope-le! Mais il est complètement débile! Il est con, quoi? Mais il est con. Allez, dis-moi que je peux monter par là. Allez. Me baisse pas. Il essaie de me tirer dessus. Ok, je vais passer par là. Je vais aller là-bas. Moi, t'es fiché, vous mourrez pas. Mais cours pas dans ma direction, tu les ramènes tous vers moi. Bonjour. Je l'ai mis à KO, j'étais obligé. Normalement, il se relève pas de sitôt de son KO là. Ok, escalade-moi ça. Bonjour. Gauche-droite. Ok. Ici, ça devrait être bon normalement. Attends, là, tranquillement. Putain, alors je dois aller à l'hôpital en fait. Je dois faire la scène là. Putain. Normalement, je suis ici normalement. C'est abusé si on me retrouve. Hein. J'ai fait le tour de pâté de maison 3 fois là. Voilà, il y a des petites voitures là-bas. On dirait Swed alors que t'as 25 ans, je suis abattu. À mort. Allez, Inch'Allah, je peux rentrer. Je vais descendre les maisons comme ça, nique sa mère, c'est parfait. Hop. Non, je sais pas nager. Pas que j'aille là, je vais passer par le pont plutôt. Bon les refs, faut juste que j'aille à l'hôpital là depuis tout à l'heure. Faut juste que je me pète un véhicule, je pars à l'hôpital et c'est bon, c'est gagné. J'ai un truc à faire à l'hôpital là. Cache-toi dans un coffre. Non, c'est bon, je les ai semés au calme. Je les ai semés. Oh non, on me dit pas, ils ont envoyé l'hélico là. Putain, j'ai entendu le bruit du don, mais vu que j'ai qu'un seul écran, j'ai que l'écran du jeu, j'arrive pas à lire le don. S'il y en a qui peuvent me mettre le don dans le chat que je lise. Ça m'irait. Ça fait un an qu'il sait pas nager. Mais les gars, je vous jure, voilà, j'appuie sur S pour nager, ça marche pas. Depuis le début, ça marche pas. C'est qui ça? Allô? Bon, toi, Healthy, je suis désolé, mais. Tu vas devoir te manger ta bastos, Healthy. S'il te plaît, descends.
Oh, je suis désolé, je voulais pas faire ça. Je suis vraiment désolé. Elle avait une belle voiture, ça vit hein, par ici. Ça vit hein. Bon, hôpital. Il y a pas de panneau. Les bâtards. Il y a pas de panneau. Là, c'est pas bien. Mais hey, c'est moi ou cette daronne, elle était grave réaliste. Normalement dans GTA ils sont pas aussi bien faits, je comprends pas. Elle avait un vrai visage, t'as les daronnes, j'ai jamais vu un piéton comme elle. L'hôpital. Il est là-bas. 700 euros BG. 700 euros. Dis-toi là, on m'a offert 700 euros. Mais non. On m'a offert 700 euros. Merci les refs. Attendez, je vais voir qui m'a offert 700 euros. Ouais, de l'hôpital. C'est le paquet.